Monsieur Bosco Ntaganda est un chef d'un groupe armé qui a fait la rébellion dans la partie est de la RDC, précisément dans les provinces du Kivu, nord-sud Kivu et la province orientale, dans la partie de l'Ituri. Après, dans le cadre du processus d'intégration de ces groupes armés dans l'armée nationale, il a intégré plutôt l'armée nationale. Et pendant ces temps-là, Bosco Ntaganda et son groupe se sont rendus coupables de beaucoup d'exactions de droits humains, y compris des crimes de guerre, crimes contre l'humanité, des actes de viol massifs à l'égard de femmes, mais aussi des crimes de torture et même d'enrôlement et d'utilisation des enfants dans les groupes armés. Ce quatrième procès de la Cour pénale internationale, qui concerne en particulier le ressortissant de la RDC, représente pour nous, défenseurs des droits humains qui luttent contre l'impunité de ces crimes, un symbole fort. Un symbole fort de l'engagement de la communauté internationale et en particulier de la justice internationale à travers la Cour pénale internationale de pouvoir lutter contre l'impunité, c'est-à-dire de poursuivre toutes les personnes qui ont commis ces crimes et de pouvoir répondre de leurs actes. Ça, c'est le premier engagement et le premier signal fort de la lutte contre l'impunité, qu'il n'y a pas de crimes internationaux qui peuvent rester impunis. Les autres groupes armés qui sont encore actifs dans l'est de la RDC, et dans le nord-est et aussi au sud, dans les régions qui sont aujourd'hui en proie aux conflits armés, c'est un signal fort. C'est un signal fort que même si aujourd'hui ils reçoivent des primes, si même demain ils sont intégrés dans l'armée au nom des accords de paix, mais ils ne sont pas à l'abri de poursuites, puisque les crimes qu'ils commettent, qui sont de nature internationale, ils sont imprescriptibles. Deuxième signal fort, c'est les victimes. C'est la reconnaissance des droits des victimes, la reconnaissance de leur souffrance, la reconnaissance de leurs droits. C'est les droits à la vérité, les droits de savoir qu'est-ce qui s'est passé, les droits à la justice, c'est-à-dire les personnes qui ont été à la base des préjudices, des souffrances qu'elles ont endurées, il faudrait que ces personnes répondent de leurs actes. Et enfin, c'est les droits à la réparation. Les droits à la réparation qui incluent plusieurs formes, l'indemnisation, la restitution, les droits à la non-répétition de ces crimes-là et les droits à d'autres formes, c'est-à-dire à des formes de réparation psychologique et médicale. Ces victimes-là ont besoin de ça et en particulier les victimes aujourd'hui. Le président de la République, Joseph Kabila, a déféré en 2003 la situation de la République démocratique devant la Cour pénale internationale. Et dans cette lettre de la saisine de la Cour pénale internationale, le président avait donné deux raisons. La première raison, c'est que la justice congolaise, en 2003, n'était pas encore capable de poursuivre ni de juger les personnes coupables des crimes de guerre, crimes contre l'humanité et des actes de génocide. Deuxième raison, c'était que le président de la République s'est engagé dans la lutte contre l'impunité. Nous sommes dans un régime qui dit qu'à partir du moment où le statut de Rome est ratifié, il est obligatoirement entré dans l'application. Donc les juges congolais ont tenté par-ci par-là à appliquer le statut de Rome. On a constaté parmi les faiblesses de la justice congolaise, c'est de monter un peu plus haut à l'échelle de commandement. C'est-à-dire la question aujourd'hui des responsabilités hiérarchiques des commandants, des supérieurs qui ont planifié, qui ont ordonné les crimes, très peu des cas ont atteint les sommets. Ici, la difficulté pour la justice congolaise, c'est qu'elle n'a pas de moyens. Dans le budget de la RDC, ce qui est consacré à la justice, c'est 3% maximum, ce serait 3% du budget national. Nous avons donc un budget d'environ 7 milliards et demi, ou on peut arrondir à 8 milliards de dollars. Donc la justice, le secteur de la justice, qui est un secteur clé pour permettre la construction de cet État, le développement de cet État, ne reçoit que 3% de ce budget-là. Donc vous comprenez, la justice est le parent pauvre
de la RDC, en plus de tout ce que je viens de donner comme raison, dont la justice est encore loin d'incarner tous les espoirs des victimes et tous les espoirs d'un état de droit tout court.